Alors bonjour tout le monde, je suis à Rivière-du-Loup aujourd'hui au centre d'entraide L'Horizon avec Nadine. Bonjour Nadine. Allô. Nadine, tu es la directrice générale, coordonnatrice en fait, hein, en chef. Alors on est dans les nouveaux locaux complètement réaménagés. Oui. La mission n'a pas changé par exemple. Non, la mission n'a pas changé. La mission, elle est d'aider les gens à intégrer la société, je pense. Si on est vraiment au niveau de l'intégration sociale. L'intégration sociale. D'amélioration de la qualité de vie émotive, hein, ouais. Parce que les gens ont toute une santé mentale. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir un diagnostic pour venir ici. Non, donc, c'est ça. Tout le monde est bienvenu ici. Oui, encore, tout à fait. Tout à fait. Je regardais dans la petite revue tantôt, là, on parle de la gêne, de l'anxiété, tout ça. Il y a plusieurs niveaux, hein, au niveau de la population en général. Vous avez des locaux, comme je disais tantôt, qui sont complètement améliorés. Vous avez été gagnant d'un concours, je pense. Hein, oui, exactement. Avec, l'école d'entrepreneurship de Beauce, c'est bien ça. Ils sont venus ici. C'est quoi, c'est les participants de l'école qui sont venus ici? C'est la cohorte 13. Il y avait 24 entrepreneurs étudiants. Puis, ils ont choisi notre projet, puis ils ont passé, comme on a travaillé avec eux autres à peu près 8 mois, mais 3 mois où ils étaient dans le local ici, puis ils rénovaient. Ah oui, hein? Mais ils ont tout fait, là. Ils ont fait le graphisme, ils ont fait... Eux autres même, là? Oui, ils ont fait une levée de fonds totale, parce que moi, j'ai rien payé de ces rénovations-là. Eh bien, puis ça a dû coûter quand même un certain montant. Près de 300 000. Combien? Près de 300 000. Incroyable, incroyable. Oui. Écoutez, faut vraiment que, si vous avez l'occasion de passer à Rivière-du-Loup, c'est vraiment extraordinaire. C'est de toute beauté. Je veux dire, il y a un petit café, la grande salle de réunion. Vous pouvez ouvrir les murs, oui, en plus. Hein? Donc, ça peut tout faire une grande, grande salle, la cuisine. Et puis là, ben, vous avez tous ces éléments-là en même temps. Donc, ça fait que vous remplissez à plein votre mission. Hein, c'était une façon extraordinaire de fêter nos 30 ans. Ben, je comprends. C'était tout un cadeau. Je comprends. C'est parce que ça fait 30 ans qu'on est dans la MRC, 30 ans qu'on travaille avec les gens. Vous savez, ça a beaucoup changé en 30 ans. Oui. C'est plus le même. Maintenant, il y a plus de travailleurs qui viennent nous rencontrer. Merci beaucoup. Merci de ton accueil. C'est vraiment gentil de nous avoir accueillis. J'ai rencontré tantôt, j'ai plié des feuilles avec tout le monde là-bas.